Après 10 mois d'arrêt, un peu de mal à se remettre dans le bain, un peu de mal à reprendre les repères, les réflexes. Il a fallu attendre la troisième spéciale pour se libérer un peu parce que la route est plus belle, plus large, plus propre. Maintenant, tout le monde va rouler vite pour le dernier tour. Tout le monde bagarre un peu pour le podium. Donc on va voir ce qu'on peut faire dans le dernier tour. Mais déjà, les réflexes sont revenus un petit peu dans la dernière compétition. On va essayer, mais le problème c'est que tout le monde veut attaquer et c'est compliqué. Allez,
ça se termine mieux que ça a commencé, puisqu'on finit par être en scratch. Mais on loupe le podium pour quelques dixièmes. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, je suis quand même satisfait. Depuis l'année dernière, on n'a pas roulé. J'ai eu du mal à me mettre dans le bain, j'ai eu du mal à retrouver des réflexes. J'étais surpris par la vitesse. Et puis au fil des kilomètres, ça allait de mieux en mieux. Donc je suis content de finir, même si on est quatrième. On a fait un deuxième temps et un temps scratch. Donc je pense que c'est sympa et je félicite tous les adversaires devant parce qu'ils ont roulé, ce que je disais, ils ont vraiment bien roulé. Pas d'erreur, ça a roulé très très vite. Et puis Johan devant nous, même si c'est pour moi un niveau au-dessus, je pense que ça nous a fait du bien à tous et ça nous a surtout tiré vers le haut, je pense. Je pense que ça ne nous fera que gagner en expérience encore, malgré mon âge. Bon, Laurent, Michel a tout dit. Hein. Michel a tout dit. Il me reste 5 ans pour le rattraper, mais... Bah, je parle de l'âge. Non, je suis content. On a fait une super course, bonne ambiance, et puis on a tous fait des bons temps. Et comme dit Michel, bah, Johan, c'était un étalon de luxe. Et ça t'oblige à dire bon, bah allez, hein, voilà ce qu'il nous reste à faire. Parce que moi, j'ai la chance d'être dans la même équipe que lui, et je sais que j'ai la même voiture. Donc quand il te met tant de secondes, c'est lui qui les a mis, c'est pas la voiture. Hein. Petit mot pour Hernandez. Un peu déçu pour lui parce qu'il se battait quand même aussi pour le podium. Et apparemment, il a fait une double crevaison dans la dernière. Il a arrêté là-bas, donc un peu déçu pour lui. Bon, après, c'est la course. Mais bon, c'est comme ça. Allez, impeccable. Merci.